gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Les talons sont toujours en contact avec le sol. Et on alterne un pied puis l'autre. Et on relève pas tout de suite. Il y a un temps où tout le pied est au sol. En fait, le pied il se lève au contre-temps. Ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Super, ça c'est l'exercice numéro 1 ou A. Et un autre exercice, reste là. L'autre exercice, c'est que cette fois-ci, c'est les coussinets du pied qui vont rester en contact et on va lever le talon. Alors forcément, ça lève le genou, parce que quand on lève le talon, on lève le tibia. Mais le principe est le même, c'est que le talon se lève au contre-temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Super Michel. Et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et on peut faire exactement la même chose avec le membre supérieur, c'est-à-dire que dans cet exercice-là, on lève le poignet. Et c'est les doigts qui restent en contact, le bout des doigts qui reste en contact, voilà. Très bon exercice pour le poignet. Et faites bien partir le mouvement du poignet et de la cheville, et non pas du coude et du genou. La source du mouvement, c'est votre cheville antérieure qui s'ouvre vers l'avant, comme si vous poussiez quelque chose ici. Oui ? Ou votre poignet qui pousse quelque chose. Le fait que le genou monte ou que le coude soit fléchi, c'est une conséquence. Ce n'est pas la source. Je reprends le premier. Ce qui se lève, c'est la plante du pied. Et la source, c'est l'angle antérieur de la cheville qui se fléchit cette fois-ci. La source, c'est fermer la cheville. Par l'avant. Et non pas étirer le tendon d'Achille. Qui évidemment existe aussi. Étirer le tendon d'Achille, c'est ce qui se passe. Mais on veut que la source du mouvement, ça soit la flexibilité avant de la cheville. Très bien, super. Ça, c'est un exercice préparatoire de rythme. Et un certain nombre d'entre vous en ont besoin. Donc, vous mettez une musique que vous aimez. Plusieurs minutes d'affilée. Vous pouvez vous dandiner comme le Michel Reboul à ma gauche. Mais vous perdez pas la pulse. Et puis, vous alternez l'un et l'autre. Et celui qui crée des basses dans le plancher. Voilà. Une ouverture antérieure. Mélange pas les deux. Mélange pas les deux, Michel. Super, c'est très bien. Oui, faisons toutes les erreurs. Repose. Repose. C'est pas un truc de danseur là pour le coup. Je veux pas que tu restes en l'air. Et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, 4, et 1. Super. Ensemble.
regardez, les harmoniques ne sont pas du tout les mêmes. Fait résonner le plancher totalement différemment. Je stimule votre sens de l'observation. Vous notez comment on a tendance à accélérer sur la basse? Oui. Ce serait même harmonieux. Bravo! Super! Excellent. C'est un petit coucou. Coucou. L'heure de l'apéro. Il est 13h, c'est l'heure de l'apéro.